Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va unboxer ensemble la Miao Box du mois de septembre. Et je te la montre que de profil parce que le facteur a marqué en énorme mon code postal dessus et que j'ai pas spécialement envie que tout le monde ait mon code postal. Comme évidemment au moment où je me décide de filmer, je n'arrive à mettre la main sur aucun de mes deux chats, on va faire ça en deux étapes. Première étape, j'unbox ceci seul en tant que humaine que je suis et je te donne mon avis sur les produits et ensuite j'insérerai des clips des deux chats, Ron et Goofy, en train de découvrir les objets que je vais découvrir avec toi maintenant. Ça me semble plus facile que d'attendre qu'ils décident de pointer le bout de leur nez parce qu'il fait beau dehors et qu'ils sont probablement partis chasser. J'attrape les trucs de cette box au hasard et puis je vais faire ça sans ordre précis. Peut-être juste commencer par le Miao Mag qui est dedans, comme tous les mois, avec à l'arrière les chats qui reçoivent leur Miao Box. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Il y a des trucs sympas, genre d'incroyables réalisations pour chats. Comme d'habitude, il y a tout un truc sur la communication, des recettes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ensuite, on a les explications sur tout ce qu'on trouve. Et une race de chat qui est, comme tous les mois, un peu plus détaillée. Ce mois-ci, c'est le balinais. Le mag, il est toujours super bien fait. Moi, c'est quelque chose que j'adore lire parce qu'il y a toujours de super conseils. Et donc, je suis contente qu'il soit dans toutes les boxes. Le premier produit que je pioche, c'est un peigne à puce de la marque Rosewood. Il est violet comme ceci, je vais te le montrer en action sur le chat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment parce que Ron est un chat angora, un chat à poils longs, et que quand il a des puces, c'est absolument une catastrophe pour réussir à s'en débarrasser. Donc des peignes comme ça, j'en avais plusieurs. C'est vrai qu'avec mes nombreux déménagements, je les ai plus ou moins perdus, donc il fallait que j'en rachète un, donc je suis contente de l'avoir reçu. Ça marche pour chien et pour chat, et pour moi c'est la méthode la plus efficace pour retirer des puces quand il y en a. Parce que les produits, etc., quand les puces sont déjà là, eh bien ça ne suffit pas. Pour moi, c'est vraiment peigner aussi souvent que possible dans la journée pour retirer toutes les puces et toutes les lentes. Donc ça, c'est vraiment un must-have de tous les gens qui ont des animaux domestiques. Ron, il est plutôt du genre à se laisser faire, ce qui est plutôt cool. Il fait sa toilette en même temps qu'on le brosse. Enfin, il est vraiment, vraiment pas chiant là-dessus. Goofy, c'est un peu plus compliqué. Mais Ron, ça fait partie de ses petits plaisirs aussi. Il ronronne comme un petit fou. Et du coup, c'est vrai que c'est mieux parce que quand il a des puces, il se laisse aussi plus facilement faire. Le produit suivant que j'attrape, c'est de la nourriture. Donc j'ai pas l'impression que ce soit des friandises, mais plutôt un sachet de pâté en fait, enfin qui remplace la gamelle de croquettes. Et celui-là, c'est à la dinde et au canard. Je pense que les deux vont adorer. J'ai même pas le temps de l'ouvrir qu'il a déjà le museau dedans. Sa patte me dit de pas bouger ma main. Donc j'imagine que ça t'aime bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pour un cœur sain, des muscles forts, des dents en bonne santé et une peau et un poil sain. Ça, je sais d'avance qu'ils vont tous les deux plutôt bien aimer et qu'ils risquent de se chamailler un peu la gamelle. Encore à manger ensuite pour leur plus grand bonheur, des petites friandises cette fois, donc c'est des petits morceaux et c'est au poulet et à la pieuvre. A priori, alors j'ai pas vraiment l'habitude de recevoir des trucs à la pieuvre pour les chats, je trouve ça super intéressant et je pense qu'ils vont bien aimer parce qu'ils aiment bien... Ils aiment bien, ils sont pas vraiment très difficiles. Ça, c'est un truc avec sans sucre ajouté et sans gluten, ce qui est plutôt pas mal pour nos petits minous. Ça sent bon? Oh, ça a l'air d'apprécier quand même. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Laisse-moi t'en mettre après. Tu veux ça? Un grain. Ok, ceux-là, ils sont plutôt validés. Voilà. Ok, ceux-là, c'est non pour Goofy. Ça m'étonne pas, je lui ai fait goûter les pâtés d'abord en fait en filmant et à mon avis les pâtés sont moins intéressantes que ça. D'ailleurs,
qu'il est en train d'aller manger la faim. Ensuite on a un jouet qui est monté sur un élastique, donc c'est une souris que je pense que tu peux faire valdinguer. Il y a un petit grelot, une petite clochette, je le répète, les clochettes sur les jouets je suis 100% d'accord, les clochettes sur les colliers je ne suis absolument pas d'accord. Donc ça c'est un truc qui me fait plaisir à voir, je pense que Ron va vraiment bien aimer. Il y a des petites plumes dessus, les matériaux ont l'air plutôt naturels et bon, pourquoi pas, ça y a moyen que ça leur plaise. Ensuite on retourne dans la nourriture avec un filet de thon. Alors c'est un gros morceau, ça je pense qu'ils vont adorer aussi, c'est assez facile à deviner en fait, hein. De toute façon les deux là, tant que tu peux bouffer, ils sont plutôt contentes. C'est de la marque Corvex, c'est vrai que j'en ai jamais acheté sous cette forme là, je pense que ça va puer, mais ok, je pense qu'ils vont adorer. Reste un peu pour Goofy quand même. Et laisse-en un peu pour Goofy, va. Oula, non, non, non. Bon, Goofy s'est barré avec les restes du poisson. Il avait l'air plutôt motivé. Je pense qu'il aime bien. Je passe à l'avant-dernier truc qui est en fait le même paquet que le tout premier de nourriture qu'on avait trouvé. Ça c'était le premier, ça c'est celui que j'ai maintenant. Le premier on avait dit que c'était dinde et canard et le deuxième c'est du poisson de l'océan et des green beans, donc des haricots verts. Ouais, je sais pas trop si mes chats aiment les haricots verts, on va découvrir ça ensemble, mais je trouve que c'est sympa d'avoir différents trucs pour tester, même si avec un seul sachet c'est vrai qu'on saura pas vraiment si les chats les supportent ou pas, puisque normalement quand on change la nourriture il faut les faire graduellement. Au moins on saura par exemple s'ils aiment les haricots verts, voilà, c'est une bonne chose. Poisson et haricots verts, j'ai envie de te dire, Ron les valide, hein. Regarde, je vais t'en sortir un petit peu. Je vais t'en sortir un petit peu. Attends. Attends mon gros. Là. Hop. Ok. Tu valides ? Les haricots. Oups. Ah bah c'est bien, tu ramasses. Il y en a un. Et on passe au dernier objet qui est genre le plus mignon et aussi le plus gros de cette box, c'est cette chose là. J'ai failli me prendre un coup. C'est trop chou parce qu'on dirait un petit bonnet du Père Noël. C'est vrai que j'aurais peut-être plus vu ça dans la box de décembre. Comme tu peux le constater, et ben c'est plutôt bien monté sur ressort avec des petits poils en haut et ça... Je peux te dire d'avance que Ron va adorer. En tout cas, il adorait ce genre de jeu quand il était plus jeune. Maintenant, c'est vrai que ça fait un petit moment que je joue moins avec lui. Enfin, il joue tout seul et il va surtout chasser dehors, donc il a moins de jouets à l'intérieur. Mais ça, c'est typiquement le genre de truc qu'il aime bien et dont Goofy se fiche totalement. Parce que Goofy a 15 ans, que lui les jouets, c'est pas trop son dada. Bon, j'espère qu'avec les prises de vue que j'ai prises en dehors de celle-ci, donc celle où tu vois les chats un peu en action, j'espère qu'ils auront réagi comme je l'ai prédit. J'aime croire que je connais mes chats, donc j'aime croire que je sais ce qui va leur plaire et ce qui ne va pas leur plaire. Après, si ça se trouve, je suis carrément à côté de la plaque et ils adorent des jouets que j'aurais pas pensé, ou ils détestent de la nourriture que j'aurais pensé qu'ils adorent. Bref, de toute façon, t'as tout vu à ce moment-là où je parle. C'est juste bizarre pour moi qu'ils filment une partie avant le reste, mais ça, c'est la merveille et le miracle de l'édition. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as envie de découvrir la Miaou Box toi aussi ou la Woof Box parce qu'il existe une version pour chien, je te remets mon code promo juste ici. Voilà. Comme ça tu peux avoir ta première box moins chère et peut-être que ça te motivera un peu plus à tester et à gâter tes petits loulous et boubous et tous les autres animaux à quatre pattes. Enfin, c'est-à-dire juste les chiens et les chats.
Mais peu importe le petit surnom que tu leur donnes quoi. Cette vidéo a été un peu plus rapide que d'habitude, mais j'espère quand même qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager avec une de tes amies ou avec tous tes amis Facebook. Tu fais ça comme tu veux, je te le répète comme à chaque fois. Mais moi tu peux me retrouver ici 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et sinon tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Et attention, grande nouveauté, je mets le lien dans la barre d'infos, mais j'ai créé une newsletter que tu peux recevoir une fois par semaine, le dimanche matin à 9h30. Pour la découvrir quand tu es peut-être normalement encore dans ton lit, enfin du moins si tu as le même emploi du temps que moi. C'est une newsletter où du coup je remets tous les liens des articles de blog et des vidéos qu'il y a eu pendant la semaine, parce que je sais qu'on est beaucoup à galérer avec les notifications YouTube et que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui du coup ratent mes vidéos et qui m'ont demandé de trouver une solution. La solution est dans la newsletter. Du coup je débute, j'apprends comment faire une newsletter, mais je vais aussi essayer de vous mettre des sondages pour voter pour les prochaines vidéos, ce genre de choses, pour vraiment vous faire un peu plus participer en fait à la vie de cette chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira, et je le répète, le lien est dans la barre d'infos. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye.